by day, desperate fight. My fears are waiting for me at the outside. Overwhelmed, feeling low. I'm the star in this depressing one-man show. Wish I would be able to flee, but I'm not stable. Wouldn't stand a chance, it's just too much to handle. I need an inspiration, another world I have to see. I travel with my pawn station to a place of fantasy. Whatever I wanna be, nothing blocks me, I'm free. I'm gonna beat my enemies. As a king or as a knight, I will reign, I will fight until I shine. Should I stay? Please take me away from the life I don't belong. With might and with force, I'm winning the war. No fears, here is where I'm truly strong. And demons lurking, but I'm not afraid. Well prepared, confident, rushing through the hearts with a sword in my head. Getting stronger every hour, casting spells with so much power. People raise my banner, tanks on every castle tower. No quest too hard for me. If you wanna join, just bend the knee. Don't miss the chance. Pour Sephora, j'ai pas acheté grand chose. J'ai été au Sephora de Coulommiers, j'étais vraiment déçue, bah, il n'y avait pratiquement rien. Et des articles finalement qui étaient soldés sur le site et pas dans le magasin. Donc du coup, j'ai acheté deux produits sur le site, je vais vous les montrer à la fin. En ce qui concerne le magasin, je vais commencer par un produit à moins 70%, ensuite les produits à moins 50% et le dernier à moins 30% que j'ai acheté en magasin. Pour le moins 70, j'ai vu ceci, donc c'est le Crystal Mineral Self Training Bronzing Mineral. Donc c'est une poudre de soleil minérale auto-bronzante. Je l'ai payé à 11,98€ au lieu de 39,95€. Je me suis dit vraiment ça valait le coup. Vous avez un petit pinceau comme ceci et je me suis dit que ce pinceau-ci, je pourrais même l'utiliser, vous savez, quand je mettrai ma poudre au niveau de l'œil. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que je me suis dit pour ce prix-là. Après la poudre, bah, je crois que la couleur qui restait, c'est une couleur qui est un petit peu trop foncée pour moi. Parce que vous voyez, c'est une poudre qui est vraiment comme ceci. Je pense que je vais la donner, hein, de toute façon, à quelqu'un qui a la peau assez foncée. Mais bah, attendez, si vous voulez, on peut quand même swatcher rapidement. Mais non, ça ne s'ouvre pas. Bon, c'est pas grave. Écoutez, de toute façon, juste vous montrer ce que j'ai trouvé. Mais voilà, bah, je pense que de toute façon, je la donnerai. Pour moi, ça va être beaucoup trop foncé. Pour les moins 50%, j'ai deux produits de chez Estée Lauder. J'ai pris le Genium Glow. C'est un illuminateur teinté lèvres et joues que j'ai payé 15,75€ au lieu de 31,50€. Donc c'est la couleur 02. On va regarder ensemble ce qu'on fait. C'est assez gros. Ouh, bien écoutez, ça m'a l'air d'être pas trop mal. C'est assez joli. Et puis bah, vous pouvez mettre... Ah ouais, regardez. Ça fait un joli petit rose un petit peu irisé. C'est super beau. Effectivement, sur les lèvres ou sur les joues, je pense que ça doit être pas mal. Voilà, et puis bah, pour le prix surtout, bah, fallait pas se priver du tout. Je suis bien contente d'avoir choisi ça. Le deuxième produit de chez Estée Lauder, cette fois-ci, c'est un illuminateur regard et visage. Ils disent que c'est une crème pour les yeux et... visage, ouais c'est ça tout simplement. Et au lieu de payer 27,50€, j'ai payé 13,75€. On va regarder ensemble. Je peux me permettre de tout vous montrer hein, vu qu'il n'y a pas grand chose pour Sephora. Et oh, regarde le packaging, comment c'est trop trop beau. Et ça se présente avec un petit embout on dirait en moumoute. Donc je clique, je clique, je clique, je clique. Je clique, je clique. Ça marche comment ce truc? Ah,
ça y est, voilà, il est sorti le petit bout. Et... Ouai, aïe, aïe. Oh, c'est trop beau. Oh, regardez. J'espère que vous voyez la caméra. Oh, j'adore. L'illuminateur, il est magnifique. Un beau doré, là. Oui, chou. Je valide complètement. Oh là là, et le prix que je l'ai payé, franchement, mais ça valait vraiment le coup. Hein. Et pour les make-up, la dernière chose que j'ai acheté, c'est juste un crayon de chez Sephora que j'ai payé 5,98€ au lieu de 11,95€. C'est un liner. Hein. J'avais demandé un liner à la vendeuse. Ouais, c'est un feutre eyeliner noir, basique. Parce que bon, ça sert toujours hein, les basiques. Voilà, quand je pars et que j'ai pas envie d'avoir des affaires qui coûtent trop cher, je prends ceci. Pour les soins du visage, à moins 50%, j'ai pris le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. J'adore Estée Lauder, je pense que vous le savez, à chaque fois qu'il y a des soldes sur cette marque-ci, j'y vais direct. J'ai payé 128, n'importe quoi, je l'ai payé 64€ au lieu de 128€. Alors, je ne sais pas si je vais le garder pour moi ou le donner à ma mère en fait encore, parce qu'elle, je sais qu'elle est aussi très très fan, mais les produits Estée Lauder, ils sont géniaux. Et 64€, c'est vraiment pas cher parce que c'est vraiment des produits qui sont très très recherchés, qui sont vraiment bons et qui ont des résultats. Et je finis avec trois produits, dont un que j'ai acheté en boutique. C'est la Naked Smoky Eyes. Celle-ci, elle est sortie depuis longtemps, mais je l'avais pas. Et à chaque fois, je me dis, je la prends pas. Cette fois-ci, j'ai pas hésité. J'ai payé 36,39€ au lieu de 51,99€. Je pense que la Smoky, vous connaissez tous de toute façon. Mais voilà, bah je pense que vous la connaissez, pas trop besoin de vous la montrer. Je vais quand même vous la montrer, hein, j'ai envie de vous la montrer en fait. Je vous dis ça, mais je sais que j'ai envie. Pour les achats sur internet, voilà, je vous le dis en même temps. J'ai acheté aussi deux palettes. J'ai acheté la Prisme de chez Anastasia. Je mets juste une photo ici, voilà, parce que je n'ai pas encore reçu. J'attends de la recevoir. Et j'ai également acheté la dernière palette de chez Too Faced, celle-ci, qui me semble la palette Unicorn. Juste magnifique, moins 30%. Donc voilà, bah j'ai aussi sauté sur l'occasion. Et puis voilà, bah c'était la petite palette Urban Decay. Voilà, je vais me faire des beaux petits smoothies maintenant. C'est pas smoothie, des smoothies. Hein. Enfin, vous m'avez compris quoi. Hein. On en a fini avec tous mes achats soldes de cet été 2018. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous donne déjà un petit aperçu de ce qu'il y a en solde. En tout cas, moi, ce que je trouve qui était assez intéressant. Niveau make-up, c'est vrai que les palettes, moins 30%, moi, j'ai vraiment sauté dessus. L'année dernière, il me semble qu'il y avait quand même des moins 50, des moins 40. Donc là, c'est que moins 30. Mais bon, ça reste quand même des palettes, surtout la Anastasia et la Too Faced. Des palettes qui valent vraiment leur prix, même la Naked. Hein. Enfin voilà, en tout cas, je pense que c'est quand même des très bonnes affaires que j'ai faites. Surtout au niveau de Estée Lauder, franchement, je suis fan. Pour les fringues, c'est pareil, je les trouve juste mais super beaux, c'est de la qualité. Il y a juste les pantalons qui étaient un petit peu grands, vous avez pu le voir dans la vidéo, mais il faut juste que je fasse un ourlet parce que bah, je suis petite, voilà. Mais en tout cas, pour moi, ça a vraiment été des achats que j'ai kiffé. C'est le cas de le dire, moi, mais j'ai vraiment kiffé. Mais écoutez, sur ce, je vais vous laisser là. Je vais me dépêcher de vous faire le montage et de le mettre cette vidéo sur YouTube pour que vous pouvez voir assez rapidement toutes les trouvailles que vous pouvez trouver également. Et puis, bah écoutez, en attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous tout le monde. Et bonne solde, hein, surtout.